se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc ça va être un bon plan course. Alors, ce que vous voyez sur la table, ça provient de chez Intermarché pour une petite partie et puis surtout chez Carrefour que j'ai fait cet après-midi. Donc, ce que vous voyez ici sur la table, il y a de tout comme d'habitude. J'en ai pour 11,61 € tout déduit, bons de réduction, les remises magasins, les applications, etc. au lieu de 119,63 €. Donc, je vais passer au détail de tout ça. Je vous fais voir rapidement tout ce qu'il y a, des lingettes, fromage, yaourt, céréales, des compotes, des salades, des gâteaux, en veux-tu, en voilà. Enfin, voilà. Donc, je vous fais le détail de tout ça. On va commencer par tout ce que j'ai trouvé hier chez Intermarché. Je suis allée chez Intermarché pour désengorger un peu ce que j'allais prendre aujourd'hui chez Carrefour, puisque je suis à pied, enfin en bus plus métro. Donc, je vous raconte pas la galère. Donc, je me suis dit, je vais faire tout ce qui est application hier chez Intermarché, dans mon quartier, quoi. Comme j'ai pas besoin de passer forcément de bons de réduction sur des promos, ça passe. Donc du coup, je vais vous faire voir ce que j'ai pris hier. Donc en premier, j'ai pris la confiture Bonne Maman comme ceci, l'intense. Elle est à 2,29 €. Vous avez soit un bon de 40 centimes sur Igral ou soit un bon de 50 centimes en rayon. Et vous avez aussi alors 40 centimes sur l'application Place, sur l'appli Coty, sur l'appli Coupon Network, sur TF1 Conso. Et vous avez 50 centimes sur Feed All et 50 centimes sur Feed Me à récupérer. Donc au final, la confiture vous coûte rien et vous avez un bénéfice de 41 centimes si vous faites toutes les applis. Moi j'avoue, je vais laisser tomber Place là ou je sais pas quoi, et puis TF1 Conso, on va dire, ou enfin j'en ai laissé tomber deux en fait parce que ça marchait pas. Et puis Place, j'ai un peu de mal avec cette application, donc du coup ça m'est revenu à je sais plus 40 centimes, il me semble, le pot de confiture au lieu de 2,29 €. Ensuite, j'ai pu prendre ceci, donc c'est une salade Donna. J'ai pris thon, œuf, vous avez plusieurs parfums, enfin vous avez au poulet, au je sais plus quoi, au jambon. Alors, ça c'est 100% remboursé en ce moment sur l'application Coty, donc elle coûte 3,28 €. Donc Coty va me rembourser 3,28 € du coup. Ensuite, hier j'ai pris des Pampers. Donc j'avais 1,50 € un bon de réduction d'1,50 €, ça coûte 2,06 €, ça m'est revenu à 56 centimes le paquet. Ensuite, j'ai pris ceci que j'ai déjà entamé. Donc, c'est une salade Pierre Martinet. Donc, d'un côté, vous avez carottes râpées, de l'autre taboulé. Vous avez toujours plusieurs parfums. Là, j'ai pris ça. Donc, ça coûte 1,80 € et avec l'application Shopmium, il vous reverse 1 €. Donc, vous pouvez découvrir, enfin, vous pouvez l'avoir pour 80 centimes au lieu d'1,80 €. Ensuite, toujours avec l'application Shopmium, vous avez ceci, donc les rillettes de saumon. Ça, je me demande si ça se termine pas bientôt ou si c'est pas déjà terminé, je sais plus. En tout cas, ça coûte 1,83 € et Shopmium vous reverse 30%, donc 55 centimes. Pour celles qui n'ont pas de parrainage, ça va vous coûter 1,28 € au lieu d'1,83 €. Pour celles qui ont du parrainage, ça vous coûtera 0 €. Ensuite, toujours avec l'application Shopmium, vous avez en ce moment l'offre pour les récréolés. Donc j'ai pris, vous avez le droit de prendre un gros paquet et un petit paquet de 4. Donc là, vous voyez, les enfants en ont mangé déjà 2, j'ai viré l'emballage. Alors du coup, sur le format 4 pièces, ça coûte 1,92 € et vous pouvez l'essayer pour 1 €. Donc ils vont vous reverser 92 centimes, ce qui vous coûtera 1 €. Et pour celles qui ont du parrainage, ça ne vous coûtera rien. Pour ce format-là, alors il y a une erreur sur l'application en fait, sachant que ça, normalement, vous pouvez le découvrir pour 3 €. Sauf que, en fait, ça fait déjà deux personnes, enfin, ma belle-sœur plus moi, en fait, on les a passés et en fait, ils nous ont pas fait l'offre d'essai pour 3 €, mais pour 1 €. Donc, je pense qu'il y a une erreur sur l'application. Donc, du coup, ça coûte 5,37 € chez Intermarché. Il rembourse 4,37 €, ce qui fait que ça vous revient la boîte à 1 € si vous n'avez pas de parrainage et 0 € si vous avez du parrainage. Ensuite, j'ai repris ceci des Pringles, puisque l'offre est illimitée. Du coup, Shopmium, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, donc c'est une application qui vous rembourse une partie de vos courses. En ce moment, avec mon code de parrainage, vous avez le droit encore à des chocobons remboursés 100%. Donc là j'étais super surprise puisque hier j'ai fait mes demandes de remboursement. En fait, genre une minute après que j'ai fini mes demandes de remboursement, il m'annonçait déjà que mes remboursements étaient déjà en traitement en fait. Et là je pense que j'ai pas été regardée sur mon compte ce matin, mais je pense que soit j'ai été remboursée ce matin ou soit je serai remboursée lundi. Mais bon, ça va super vite pour se faire rembourser sur cette application là. Franchement, c'est super valable. Vous avez aussi une catégorie fromage maintenant. C'est vraiment vraiment top. Enfin, c'est la meilleure application, je trouve. Donc ça, du coup, j'en ai repris. Donc c'est 2,56 € pièces. J'en ai pris 3 puisque en prenant 3, vous êtes remboursé moins 40%. Donc il vous reverse 3,07 € de 7,68 €. Ce qui fait qu'au final, au lieu de 7,68 €, vous les payez 4,61 € pour celles qui n'ont pas de parrainage. Et pour celles qui ont du parrainage, vous payez 0 €.
Ensuite, alors, vous avez ceci, les truites fumées eaux vives. Donc là, vous voyez qu'un paquet parce que j'ai déjà mangé deux paquets. Voilà, j'ai pas pu résister. Alors, pour là, c'est dommage, l'offre, elle est terminée. Mais c'est bien dommage parce que celles qui ont bénéficié de cette offre-là, en la cumulant avec les promos Leclerc, franchement, ça valait vraiment, vraiment le coup. C'est pas mon cas, j'ai pas de Leclerc juste à côté de chez moi. Donc je l'ai pris chez Carrefour, chez Intermarché, ça coûte un peu plus cher. Donc une plaque de 4 tranches est à 4,76€. En tout, ça faisait 14,28€. Shopmium vous reversait moins 40% pour l'achat de 3. Il vous reversait donc 8,57€. Au final, vous payez 12 tranches de truites fumées au vif. Vous avez Bretagne, Aquitaine, etc. Vous choisissez celles que vous voulez. Franchement, elles sont super, super bonnes. Et pourtant, je préfère le saumon quand même à la truite fumée. Mais franchement, c'était nickel. Donc au final, vous payez, alors pour celles qui n'ont pas de parrainage, 8,57€ au lieu de 14,28€. Et pour celles qui ont du parrainage, vous ne payez rien. Sachant que je vous le rappelle, j'en avais deux autres, hein, j'ai déjà mangé deux, donc ça vaut super le coup, franchement j'ai rien à dire. Maintenant on va passer à tout ce qui est Carrefour, ce que j'ai acheté aujourd'hui. Donc il y a eu pas mal d'optimisations à faire, notamment au niveau des gâteaux. En fait, il fallait que je refasse mon stock de gâteaux, que ce soit les sucrés et les salés. J'ai pas pu tout prendre, les sucrés, tout ce qui est sucré, parce que franchement j'avais plus de place, hein. Je suis déjà revenue avec mon chariot de grand-mère, plus 5 sacs, je vous dis pas la galère, dans le bus plus le métro. Mais je pense que je vais y retourner cette semaine, parce que sur ma vie en couleur, je sais plus si je vous l'ai dit, en fait ils nous ont sorti des gros bons de réduction pour les gâteaux, et ça vaut super super le coup, même si c'est pas en promo. Donc si vous avez un Leclerc ou quoi, je sais qu'ils sont en promo. Il y a certains gâteaux aussi chez Carrefour qui sont en promo, je vais vous faire voir après. Ça vaut carrément le coup, en fait. Moi j'étais partie avec un budget de 20€ au gâteau pour refaire mon stock, en fait, et en fait je crois que je suis même pas à 10€, quoi. Donc voilà, bon, il y a des choses que j'ai pas trouvé, comme les cracottes. J'aurais atteint, je pense, mes 20€ avec ça, plus des Belvita que j'ai pas trouvé non plus. Mais bon, enfin, je veux dire, pour un budget de moins de 10€, même moins de 5€, ça se trouve, vous refaites un bon petit stock sympa, quoi. Donc voilà, donc je vais passer au détail de tout ça. Donc on va commencer par les petits beurres. Donc les petits beurres, alors, j'en ai pris 6 paquets, puisque j'ai pu imprimer 3 bons de réduction sur 3 comptes différents sur ma vie en couleur. Alors les petits beurres sont à 99 centimes pièce. Alors c'est les paquets de 24 biscuits. Donc ça fait 5,94€ les 6. Sauf que ce que je ne savais pas, c'est que chez Carrefour, ils vous faisaient une remise immédiate de 4,95€. J'ai pas trop compris. Ce qui fait que déjà à la base, les 6 paquets de petits beurres m'ont coûté 99 centimes. Sauf que j'avais 3 bons de 1,50€. Alors les 1,50€, c'est pour l'achat de 2. Et du coup, bah, au final, je me retrouve avec 6 paquets de gâteaux petits lus, qui sont très très bons, moi j'adore ça, pour 0€, avec 3,51€ de bénéfice. Qui dit mieux? Franchement, là j'étais surprise. Je vais vous faire voir mon ticket, pour vous faire voir que je raconte pas n'importe quoi. Voilà, je sais pas si vous voyez, en fait la ligne elle est ici, véritable petit beurre, 99 centimes x 6, 5,94€. Et ici vous avez juste en dessous, remise immédiate, 4,95€. J'ai halluciné quand je suis sortie du magasin, franchement, quand j'ai vu ça. Très bonne affaire finalement, les petits beurres. Voilà. Ensuite j'ai repris des petits suisses, donc à la base c'est 18 pots je crois, oui c'est ça, 18 pots, donc ça coûte 2,11€, vous avez une remise magasin de 63 centimes, donc ça doit être à peu près moins 30%, ce qui vous fait passer le paquet à 1,48€, et vous pouvez avoir un bon d'1€ sur le site en faisant le système de parrainage Danone, ce qui vous revient à 48 centimes au lieu de 2,11€. Ensuite on a pris ça, enfin c'est Bilal qui a pris ça, puisque comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, comme c'est un peu long pour les enfants à Carrefour, enfin de faire les courses, en fait Bilal, je lui donne une mission, en fait il cherche les bons de réduction et il a trouvé le bon de réduction pour ce paquet de gâteaux là, du coup il m'a dit je peux en prendre un, nanana, donc je lui ai dit oui. Donc ça coûte 1,79€, vous avez un bon de 40 centimes en rayon, et vous pouvez aussi vous faire rembourser, alors 40 centimes sur l'application Feed All et 40 centimes sur l'application Feed Me, ce qui fait que ça vous revient à 59 centimes au lieu de 1,79€. Ensuite vous avez les Activia comme ceci, voilà, j'ai pris ça pour changer de d'habitude, donc ça coûte 1,50€ à la base. Vous avez une remise magasin de 45 centimes en ce moment, c'est moins 30% je crois, ce qui vous fait le paquet à 1,05€, et vous pouvez récupérer un bon d'1€ sur Danone en faisant le système de parrainage, ce qui fait que ça vous revient à 5 centimes au lieu d'1,50€. Ensuite j'ai pris ceci chez Carrefour,
puisque je trouvais pas les Danettes classiques. En fait, j'ai trouvé que ça, il y avait beaucoup, beaucoup de monde chez Carrefour. En fait, d'habitude, je fais pas mes courses en début de mois, mais là, en fait, il y avait beaucoup, beaucoup trop de monde. On est le 6, donc, enfin, je vous laisse imaginer. C'était n'importe quoi, les rayons étaient vides, donc j'ai pris ça, du coup, à la place. Ça coûte 1,89 € à la base. En ce moment, c'est en promotion, il y a 57 centimes de remise immédiate, ce qui vous fait passer le produit à 1,32 €. Et vous pouvez récupérer 1 € en faisant le système de parrainage d'Adon, ce qui fait que ça vous revient à 32 centimes au lieu de 1,89 €. Ensuite, vous avez le chaussée aux moines. Déjà, la dernière fois, je voulais en prendre, j'en avais pas trouvé. Donc à la base, ça coûte 2,54 €. En ce moment, vous avez une remise sur la carte de 1,28 €, ce qui vous fait passer le produit à 1,26 €. Ensuite, j'ai trouvé un bon de réduction. Mais attention, c'est pas un bon de réduction pour la recette comme ça, pour le classique. C'est un bon de réduction pour le truc allégé ou plus doux, quelque chose comme ça. Donc là, il y a une bande bleue. Mais moi, la fille, elle me l'a passé. La caissière que j'ai eue, c'est une que j'ai d'habitude, donc elle a confiance. Du coup, j'ai passé le bon, alors que c'était pas trop le bon produit, mais bon, c'était la même marque quand même. Donc au final, alors avec la remise, ça vous fait 1,26 € et le bon était d'un euro. Je crois que je l'ai trouvé soit sur Envie de bien manger, soit sur Qui veut du fromage, ou soit sur le site Émilien Fromage. Je ne sais plus trop, et puis autant vous dire que là il est tard et j'aurais pas le temps de rechercher sur les sites. Enfin voilà, donc au final ça m'est revenu à 26 centimes au lieu de 2,54 €. Ensuite, vous avez les compotes en ce moment qui sont en promo chez Carrefour. En fait, c'est 1 euro d'habitude, ça coûte à peu près 1,60 €. Donc vous avez les compotes à 1 euro pièce. Moi j'en ai pris deux pour la simple et bonne raison que déjà j'ai imprimé deux bons de 40 centimes. Alors c'était sur quel site ça? C'était sur ma liste de courses. Donc vous imprimez deux bons de 40 centimes à deux noms différents. Et ensuite, vous pouvez vous faire rembourser 40 centimes sur l'application Coty, sur l'application Coupon Network, sur l'application TF1 Conso et sur l'application Plice. Ce qui fait que vous récupérez pas mal. Mais moi, j'ai pas voulu me dire, allez, c'est bon, je n'en prends qu'un et puis je me fais des bénéfices. Je me suis dit, autant les avoir gratuits. Carrément en avoir deux, mais gratuit quoi. Donc au final, ça m'est revenu à 0 € avec 40 centimes de bénéfice quand même au lieu de 2 €. Sachant que ça d'habitude c'est 1,60 € à peu près, donc ça vaut super le coup. Ensuite, j'ai pris ceci, donc c'est les Belin Monaco. Alors du coup, j'ai pris les petits formats de 50 grammes, ça coûte 58 centimes. Je les ai pris en fait parce que sur Ma Vie en Couleur, vous avez des bons de réduction d'un euro pour l'achat de deux. Donc vous calculez 58 centimes x 2 moins 1 euro, ça vous fait 16 centimes les deux boîtes. Donc moi j'en ai pris 6. Alors à la base il y en a pour 3,48 € les 6 boîtes, moins mes 3 bons d'1 euro, ça me fait 48 centimes les 6 boîtes de Belin. Donc c'est plutôt pas mal hein, pour les gens qui font des apéros, des machins, de stocker ça. Et puis voilà, ça fait vraiment vraiment pas cher pour des petits trucs comme ça suffit. Ensuite, les Mikado. Alors là, il y a un paquet au chocolat au lait qui a été mangé là, en sortant de chez Carrefour. En fait, c'était enfin, l'heure du 4 h bien dépassée. Donc j'en ai pris 4, ça coûte 1,28 € pièce. En tout, il y en a pour 5,12 €. Alors j'en ai pris autant, pareil, parce que sur Ma Vie en Couleur, vous avez des bons de réduction d'1,50 € pour l'achat de 2. Donc au final, je passe de 5,12 € moins mes 3 € de bons. Du coup, ça m'est revenu à 2,12 € les 4 boîtes au lieu de 5,12 €, ce qui fait que ça fait 53 centimes la boîte. Donc 53 centimes pour ça vaut le coup de se faire plaisir. Ensuite, j'ai pris des princes maxi choco, la maxi gourmand. Là. En fait, j'ai jamais goûté, mais je voulais goûter parce que, enfin voilà, vous voyez, il y a plein de chocolat dedans. Donc, j'en ai pris 4, hein. Je pouvais en prendre 6, mais franchement, j'ai été trop chargée. Heureusement que je me suis arrêtée là parce que, franchement, c'était n'importe quoi. Donc, les 4 coûtent 6,36 €, ça coûte 1,59 € pièce. Sur Ma Vie en Couleur, en ce moment, vous avez des bons de réduction d'1,50 € pour l'achat de 2. Alors, du coup, au final, ça m'est revenu à 1,86 € les 4 au lieu de 6,36 €. Ça fait donc 31 centimes le paquet. Ça va, je trouve que c'est correct. Ensuite, vous avez les princes chocolat, goût chocolat normal. Ça c'est pareil, j'aurais pu en prendre 6 supplémentaires. De toute façon, mes bons sont encore bons jusqu'à la fin du mois, donc je retournerai en prendre 6. Et pour les princes d'avant, j'en reprendrai encore 2 du coup. Donc les princes chocolat comme ça sont à 1,13 €. Donc il y en a pour 3,39 €, il n'y a pas de promo dessus hein, par contre. Et vous avez des bons de réduction de 2 € pour l'achat de 3 sur Ma Vie en Couleur, toujours pareil. Donc au lieu de 3,39 €, ça m'est revenu à 1,39 €.
soit 46 centimes le paquet. Donc quand je vous disais que vous pouvez vous faire un stock de gâteaux pour un bon petit bout de temps, pour vraiment, vraiment pas cher, vous partez avec 20 euros, mais vous avez plein de trucs quoi. Cela, je vous ai dit combien ça m'est revenu. Là déjà, on est à 1,86€ de Prince, 1,39€ les Princes, les petits beurres gratuits avec 3,51€. Déjà, on est encore à 0 euros en fait, en comptant les belins, non, ça fait 6 paquets de belins Monaco, 6 petits beurres, 3 Princes normales et 4 Princes goûtés, on est à 0 euros encore. Alors que moi je m'étais fixé un budget de 20 euros gâteau quoi. Donc vous voyez, donc je pense que je vais y retourner de toute façon, ça c'est sûr. Comme ça je vais me faire un bon stock et on sera tranquille pendant, je sais pas, 2-3 mois voire plus, parce que les gâteaux comme ça, les enfants en mangent, mais ils préfèrent autant la brioche tranchée avec de la confiture ou quoi que ce soit. Ça c'est vraiment quand on sort ou vraiment pour grignoter entre deux quoi, on va dire. Mais ils font pas un déjeuner avec ça quoi, je veux dire. Donc arrêtons de parler et puis continuons parce que c'est pas encore fini. Donc le foie épi trafondant donc est à 2,09€. Donc j'étais partie pour en prendre puisque j'avais imprimé un bon de réduction de 40 centimes. Je m'étais dit c'est bien, les tranches sont toutes préfaites, toutes propres en fait. Comme là il fait beau chez nous, on peut aller au parc, se faire un sandwich et rester le soir à manger quoi. Enfin manger vers 6h30, 7h dans le parc et puis rentrer vite fait à la maison pour 8h quoi. Donc je me suis dit je vais prendre ça, donc ça coûte 2,09€. J'avais un bon de 40 centimes que je n'ai pas passé du coup puisque j'ai trouvé ça en rayon en fait, donc un bon de 50 centimes. Et vous pouvez vous faire rembourser aussi 40 centimes sur Shopmium, sur l'onglet qui veut du fromage, vous allez voir sur l'application et vous pouvez récupérer 40 centimes, donc ça m'est revenu à 1,19€ au lieu de 2,09€. Ensuite il y a ça, en fait ça je l'ai même pas compté dans le total, c'est n'importe quoi ce que je fais. Du coup ça coûte 2,33€. Tout à l'heure sur mon ticket je me demandais c'était quoi le truc à 2,33€, en fait c'était ça. Donc mon total n'est pas bon du coup. Donc il y en a pour 123€ quasiment. Et bah du coup au final ça m'est revenu à que dalle parce que là-dessus il y a encore du bénéfice. Donc ça m'est revenu à 11€. Alors on va pas chipoter, j'ai pas envie de recalculer. Mais en tout cas tout ça pour vous dire que ça coûte 2,33€. Et pour celles qui ont le livret La Belle Adresse je crois, vous avez un bon de réduction de 2,50€ dedans. Donc je l'ai passé cette fois-ci et puis ça m'est revenu à 0€ avec 17 centimes de bénéfice. Alors passons au camembert et au beurre maintenant, parce que le camembert là il m'énerve l'odeur, j'ai envie de le ranger dans ma boîte dans le frigo. Donc le camembert président est en ce moment en promotion, donc c'est les 2 plus 1 gratuits. Voilà, donc j'ai pris ça. Désolée, je tape sur la table, je fais n'importe quoi. Bon, j'ai rajouté ça en fait, du beurre président demi-sel en fait, pour changer un peu. Je sais pas comment vous expliquer en fait, puisque moi j'avais un bon de réduction d'un euro pour l'achat de deux camemberts et un bon de réduction d'un euro pour l'achat d'un camembert plus d'un beurre président. Donc je vais vous faire le total global parce qu'autrement on va pas s'en sortir. Donc ici les 3 camemberts plus le beurre au prix fort coûtent 6,43€. Vous avez une remise magasin d'1,54€ sur les camemberts, ce qui fait que vous passez à 4,89€ pour les 4, et moins les deux bons de 1€ que j'ai trouvé sur Envie de bien manger, ça me fait 2,89€ les 4 pièces, enfin les 3 camemberts plus le beurre, au lieu de 6,43€. Voilà, je vous le fais comme ça parce que c'est trop compliqué à expliquer en fait. Je vais le mettre dans le frigo d'ailleurs, j'en peux plus de cette odeur. Ensuite, on va passer au fromage Saint-Varan. Donc ça marche avec l'application Shopmium. Je vous en ai parlé au début de la vidéo. Mais bon, ça revient là. Chez Carrefour, j'ai pris 2-3 trucs avec Shopmium. Donc vous avez une offre sur Shopmium. Vous achetez une bûche plus des crottins Saint-Varan de chez Président. Si vous achetez les deux ensemble, ils vont vous rembourser 2€. Donc ça fait alors 4,68€ les deux, moins 2€, ça vous revient à 2,68€ les deux pour celles qui n'ont pas de parrainage, et ça vous revient à 0€ pour celles qui ont du parrainage. Il n'y a pas de bon de réduction, par contre j'ai cherché un peu partout, j'en ai pas trouvé, c'est bien dommage. Mais bon, c'est comme ça. Ensuite, vous avez dans la même offre, en fait, enfin dans le même onglet, mais c'est une deuxième offre, en fait, vous pouvez acheter soit la bûche président toute seule, soit les crottins tout seul. Donc moi, j'ai pris la bûche. Et Shopmium va vous rembourser 40%. Donc ça coûte 2,34€. Shopmium va vous rembourser 94 centimes. Ce qui fait que pour celles qui n'ont pas de parrainage, ça va vous coûter 1,40€. Et pour celles qui en ont, ça vous coûtera rien. Ensuite, on va passer à mon avis le rang gratuit. Donc, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. C'est en relation avec Carrefour. Vous pouvez tester des produits chez Carrefour en fait en échange de points et en échange de votre avis surtout. Donc vous avez le droit de prendre jusqu'à 4 produits suivant les points que vous avez. Si vous vous inscrivez avec mon code parrainage,
qui est en barre d'infos, vous allez avoir des points supplémentaires, ce qui va vous permettre soit d'avoir un article un peu plus cher ou soit d'en prendre un supplémentaire, ça dépend. Du coup, je vous mets le code dans la barre d'infos et ensuite vous allez choisir vos articles sur le site, en fait, mon avis le rend gratuit, et puis vous choisissez, vous imprimez votre bon ou vous le présentez en caisse sur votre portable aussi. La caissière là que j'ai eue, que je vous dis, je l'ai déjà eue plusieurs fois, qui est super gentille, elle m'a dit, mais ça sert à rien que tu imprimes le bon, en fait, tu peux me présenter ton portable, en fait, enfin l'application, quoi. Donc la prochaine fois je ferai comme ça m'évitera d'imprimer un truc de plus, mais bon, sachant que ça me dérange pas trop puisque de toute façon il faut que j'imprime mes bons. Donc j'ai pu reprendre du coup. Alors les Cini Mini que les enfants adorent, ça coûte 2,65 €. Ça m'est remboursé directement sur le ticket. En fait, je ne le paye pas, sauf que j'irai donner mon avis dans quelques jours, dans 3-4 jours, parce que de toute façon, ce produit-là, je le connais, et les enfants aussi. Et puis, en échange de mon avis, je récupérerai mes points, et ainsi de suite, je pourrai reprendre encore des produits et des produits. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai pris alors des céréales, cette fois pour moi, parce que les enfants n'aiment pas ça. C'est des Whole Bran Fruit and Fibres de chez Kellogg's. Donc ça coûte 3,43 €, pareil, déduit du ticket de caisse aussitôt, et je récupérerai mes points une fois que j'aurai donné mon avis. Et pour terminer, j'ai pris ceci, donc c'est des crozets de Savoie au sarrasin. La marque, c'est Reflet de France, et ça coûte 2,29 €. Une fois, on en avait mangé et c'était super bon, donc je me suis dit, c'est bon, je vais reprendre ça. Et voilà, puis au prochain épisode, pour mon avis, le rend gratuit du coup. Donc on va continuer avec Carrefour, hein, les optimisations. Donc les shampoings Timothée. Alors, vous avez trois parfums différents, enfin trois gammes différentes. Vous en avez un qui est transparent, un marron et puis deux jaunes. Moi j'ai testé ceci que j'ai jamais testé. Celui-là, je le connais. Donc les shampoings sont en promotion à moins 50% en ce moment. En fait, c'est pas ça sur le catalogue Carrefour, le dernier. En fait, là, ce que vous voyez ici, mes courses, j'ai jonglé sur trois catalogues. Donc je peux pas vous dire après c'est dans quel catalogue, mais ça je me rappelle que c'est dans le dernier. En fait, si vous en achetez qu'un, je crois qu'il vous rembourse 30%. Enfin, ça coûte 30% du prix. Si vous en achetez deux, c'est 40%. Et si vous en achetez trois, en fait, c'est le même principe que Shopmium. En fait, ils ont voulu copier ou j'en sais rien. Mais là, en tout cas, j'ai été remboursée à moins 50% sur mon ticket en remise immédiate. Donc, à la base, les trois shampoings coûtent 7,80 € sur mon ticket de caisse. J'ai eu une déduction de 3,90 €. Et vous pouvez imprimer trois bons de 90 centimes sur le site Ma Vie en Couleur. Vous faites trois comptes, bien sûr. Donc, au final, les shampoings vous reviennent à 1,20 € les trois. Donc 40 centimes le shampoing, ça va, je mets ça dans mon stock. Ensuite j'ai pris ceci parce qu'il m'en fallait déjà et ça tombait bien que ce soit en promo. Donc du détachant avant lavage K2R. Donc ça coûte 3,59 € à la base. En ce moment c'est en promotion, il y a 30% dessus je crois. Alors il vous reverse 1,06 € de remise immédiate. Ça vous coûte 2,48 € et vous avez un bon d'1 € sur la belle adresse. Ce qui fait que ça vous revient à 1,48 € au lieu de 3,54 €. Ensuite vous avez ceci que j'ai pris un peu pour le fun, hein, pour les enfants des fois quand ils ont envie de grignoter. Des fois ils me disent je veux des chips mais il n'y en a pas. Donc voilà, je leur ai pris ça. Donc c'est un lot de deux French chips de chez Belin. Donc je pourrais pas vous dire, je me rappelle plus de la promo, je sais pas où j'ai noté ça en fait. En fait il est super tard et j'ai fait un peu n'importe quoi, mais bon, ça coûte 2 € et quelques en tout cas, enfin à la base, et là en ce moment c'est en promo à 1,92 € ou 1,94 € et vous avez un bon de réduction de 50 centimes sur le site Ma Vie en Couleur. Donc ça fait 1,50 € les deux paquets. On va voir ce que ça donne, ce que ça vaut, j'ai jamais goûté non plus. Et ensuite, enfin pour terminer, avant que je vous montre les bons de réduction que j'ai trouvé, donc j'ai trouvé en rayon les bons de réduction d'1 € chez Guise là. Pour les lingettes comme ça, je l'ai cherché la dernière fois, j'avais pas trouvé. Et là, ça tombait bien, en fait, il y avait une promo, donc j'ai pris un bon petit stock, quoi, hein, en fait. Puisque j'étais prête à racheter des Pampers, mais quand j'ai vu ça, ça coûtait carrément moins cher. Donc du coup, alors les Pampers, c'est vendu par deux, c'est 1 plus 1 gratuit. Donc ça coûte 5 €, je sais plus combien. Alors 5,06 € les deux, normalement, ils vous font une remise magasin. Donc du coup, ça vous fait les deux pour 2,53 €. Et puis dessus, bien sûr, vous passez de bon. Donc ça vous revient à 53 centimes les deux. Moi, j'en ai pris 4, ça m'est revenu à 1,06 € les 4, sachant que j'ai passé 4 bons de réduction comme ça.
Voilà, donc c'est terminé pour ces courses. Je vous mettrai tout dans le titre. Dans la barre d'infos, je vous mettrai comme d'habitude tout ce qui est lien des sites de bons de réduction, le lien des applis, les codes de parrainage pour récupérer des points ou les chocobons gratuits sur Shopmium, etc. Enfin, vous aurez tout comme d'habitude. Et puis, je voulais vous dire avant d'oublier, parce que j'oublie à chaque fois, alors celles qui me font des demandes d'amis sur Facebook. En fait, franchement, n'oubliez pas de m'envoyer un message sur Facebook, en fait, en me mettant, c'est pas dur, hein, ça prend 2 secondes, en me mettant juste YouTube. Puis, je vous dis ça parce que maintenant, je pense que quand il n'y aura pas ça, et que je vais voir que le profil est un peu bidon, qu'il n'y a pas de photos, qu'il n'y a pas d'amis ou quoi que ce soit, je vais carrément refuser. Chose que je fais depuis quelques temps, là, puisque j'ai des problèmes. En fait, je reçois pas mal de demande d'amis, de mecs du bled. En fait, je pense que c'est mon ex hein, qui fait ça, tout simplement. Voilà, il n'a pas grand chose à faire. Donc, sachez que si vous ne mettez pas YouTube, je risque de ne pas vous accepter sur Facebook. Donc, ça prend 2 secondes. Hein. Faites votre demande d'amis. Vous cliquez sur contacter et vous mettez juste YouTube, hein, pas de blabla. Enfin, même sans bonjour, hein, je m'en fiche. Hein. Vous mettez juste YouTube, comme ça je sais que vous venez de ma chaîne. Donc, maintenant, on va passer avant de finir au bon de réduction que j'ai trouvé aujourd'hui. Donc, j'ai trouvé alors Danette. C'est les doubles saveurs là qui sont sorties dernièrement. Et en fait, ce qui est valable, c'est que là, vous pouvez trouver un bon de réduction de 30 centimes en rayon. Et que vous pouvez aussi vous faire rembourser. Alors, je crois que c'est sur Feed All et Feed Me, 30 centimes aussi. Donc, ça fait du coup les danettes pour pas grand chose. Ensuite, j'ai trouvé, bon, bah, enfin, ça, c'est Bilal qui a trouvé les pick-up mini. Ensuite, j'ai trouvé des Vania, mais je me demande si je les ai pas déjà. C'est bon là, je sais plus. Donc, j'ai trouvé ça 50 centimes. J'ai trouvé, alors, du lait bio. Lactel, je sais pas, c'est au caramel et au chocolat apparemment, 40 centimes. J'ai trouvé 50 centimes pour la confiture Bonne Maman. J'ai trouvé, alors pareil ça, le camembert le petit, je ne l'avais pas trouvé la dernière fois. Et sachez que vous avez déjà les bons de réduction en rayon. Mais vous avez aussi sur Feed All, Feed Me et peut-être une ou deux autres applications, vous avez 30 centimes aussi à vous faire rembourser. Donc du coup, ça fait le camembert gratuit. Ensuite, j'ai trouvé ça, Folle Épi, 50 centimes. J'ai trouvé ça, la tisanière détox. Mais ça, je l'ai. En fait, j'ai une de mes abonnées qui m'a envoyé des bons. En fait, en échange, là, quand on a fait le concours. Et celui-ci, il y était. Mais là, j'en ai repris au cas où quelqu'un voudrait faire un échange. Ou de toute façon, dans quelques temps, je referai pareil un petit concours pour gagner des bons. Donc, j'en prends un peu plus qu'il n'en faut. Et ensuite, j'ai pris les Huggies, là, qui vont fortement me servir. Donc voilà pour ce que j'ai trouvé. Donc ça en est tout pour ce petit bon plan course. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.